Salut à tous et ravi de vous retrouver sur Calédonia pour un nouvel épisode de Patati Patenté à la rencontre des entrepreneurs individuels qui font avancer le pays sur le chemin de la résilience écologique. Aujourd'hui, j'ai le bonheur de me trouver du côté de l'IFU, un joyau des loyautés, l'île aux mille visages qui regorge de sites naturels magnifiques et de savoir-faire bien particuliers. Et si ce matin je me suis rendu du côté de la tribu d'Enata dans le nord de l'île, c'est pour aller à la rencontre de Jules, le gérant d'un gîte écotouristique qui accueille des visiteurs dans le plus pur respect de l'environnement, tout en sensibilisant aux richesses naturelles de l'île et à la sauvegarde de son patrimoine. Alors si vous ne connaissez pas ce gîte écotouristique, restez bien avec nous, vous allez voir qu'on va être très bien reçu et que ça vaut vraiment le détour. Suivez le guide, on y va. Rencontrer. Bon, Jules, merci de nous accueillir ici dans ce gîte. C'est toi qui t'occupes un peu d'accueillir les visiteurs, de leur faire découvrir certaines spécificités de l'île de l'IFU. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire donc, est-ce que tu peux nous présenter plus simplement l'activité de l'IFU Nature? Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qu'on partage avec les visiteurs? Avant de prendre la parole, d'abord, on va essayer de voir tous ceux qui nous regardent, les grands, tout ça, les aînés, puis tous les vieux, puis tous les enfants, tout le monde qui nous regarde. Et puis moi, c'est voilà, ben, Somaja, hein. Somaja, mon nom de famille. Somaja veut dire le ciel rouge. Et puis l'IFU Nature, voilà, l'IFU Nature, et déjà tout ce qu'il y a, c'est l'IFU Nature, quoi, dans la nature. Puis là, c'est ce qui fait qu'il y a l'IFU Nature qui est là, c'est qu'il y a une réserve naturelle coutumière qui est là-bas, là, ce que nous on propose, la petite randonnée PMT. Là, on passe à... Moi, je suis plutôt dans les mythes et légendes. D'accord. Donc, du coup, dans le sentier, moi, je parle des mythes. C'est pas moi qui raconte, mais c'est les arbres, les cailloux qui racontent tout ça, le ciel, les crabes et tout ça. C'est eux qui racontent vraiment les histoires. C'est eux qui donnent aussi les messages de la préservation, tout ça, là, pour faire des écotourismes. En quoi ce gîte, il permet de sensibiliser aux richesses de l'environnement de l'IFU? Qu'est-ce qu'il y a de si spécial? Ben, la réserve naturelle coutumière, d'abord, c'est avant tout d'abord une nurserie naturelle. D'accord. Voilà, une nurserie naturelle qui est devenue après une réserve naturelle. Ok, une nurserie de requins. Voilà, une nurserie de requins, puis de petits poissons, de coraux, tout. C'est carrément une petite baie. Mm-hmm. Puis là, il abrite une petite plage avec un petit récif frangeant devant. Du coup, là, c'est vraiment le site idéal pour une nurserie. Mm. Puis nous, dans le plan, c'est que demain, ben, tous ces réserves, répertorier toutes les réserves naturelles qui sont dans les alentours, là, ouais. Puis de les mettre tout en réserve intégrale pour ne pas les toucher. Pourquoi pas ouvrir des sentiers plus tard, mais déjà ça, c'est surtout plus pour plus tard. Quoi. D'accord. Là, nous, on est sur une île, là, maintenant, on voit que les poissons, ça commence aussi à disparaître, parce qu'il y en a beaucoup, on se multiplie aussi beaucoup. Bien sûr, ouais. Du coup, là, on va voir comment ça... Mais là, ça fait 15 ans déjà que la structure est lésive, 20 ans, ouais, plus de 20 ans déjà. Okay. Voilà. Sensibiliser déjà la population de la tribu, parce que ouais. C'était de venir bousculer les oui, habitudes ça. Et puis les mœurs, ça, là, ben, c'est compliqué. Donc là, voilà, ça fait 20 ans, maintenant les gens, ils jouent le jeu, maintenant ils respectent là-bas. On sait que maintenant là-bas, il y a des montées de tortues, tout ça. Là. Mm-hmm. Du coup, il ne faut pas amener les chiens là-bas, il ne faut pas faire des maisons là-bas, parce qu'il y a des oiseaux qui viennent nicher aussi. D'accord, ok. Voilà. Ici, on s'imagine que, on l'a vu avec les clients qui sont là aujourd'hui, il y a des gens qui viennent découvrir l'IFU, oui. Découvrir les spécificités de l'IFU, le patrimoine culturel, mais aussi naturel. Mais tu l'as dit tout à l'heure, finalement, il y a aussi les habitants de l'île qu'il faut partager, voilà. Le besoin de défendre. Ce patrimoine c'est, naturel. Voilà, ouais. C'est réserve naturelle coutumière, là où ils mettent ça aussi dedans. Mais bon, elle n'est pas encore officielle. Pourquoi pas d'abord faire une classe nature pour, les, classes nature pour que les enfants arrivent pour sensibiliser. Parce qu'on veut que, comme on voit que c'est dur aussi de sensibiliser les grands. Mm. Alors que on dit que le plus important, c'est de sensibiliser les enfants. Vous savez, les enfants, c'est eux qui vont porter le message et puis sensibiliser après les grands. Après avec ça. D'accord. Bon, voilà, c'est... Et les touristes aussi, du coup. Les touristes aussi qui arrivent ici. Hein. C'est beaucoup plus de partage avec les touristes. Voilà. Hein, exactement. Et c'est ça qui est intéressant parce qu'au-delà de leur montrer ben, la nurserie, au-delà de les amener en randonnée et tout, on a vu beaucoup de choses aussi. On nous explique que, ben, voilà, on va valoriser les produits de la terre dans l'assiette. Voilà. Avec. Tous les bons produits de l'IFU qui sont servis. Les glaces coco, tout ça. Voilà, on va venir montrer un petit coup de pêche. Voilà. Ça, c'est des activités, c'est important de les montrer aux touristes qui viennent vous voir. Oui, voilà, de faire montrer vraiment comment nous on vit ici, tout simplement. Quoi, tout simplement parce que, puis même aussi, c'est de mettre des mots à ce que nous faisons déjà avant, que nous, on n'a pas vraiment mis des mots dessus. Mais avec la structure, c'est là que nous on dit ça, que, ben, en fait, quand nous.
on fait déjà pour préserver la nature. Comme les endroits tabous, tout ça, là, s'il y a des endroits tabous chez nous, et bien ces endroits tabous-là, on se rend compte que s'ils n'avaient pas mis ces endroits tabous, les anciens avant, et bien on aurait perdu des arbres endémiques qui n'existent qu'ici, mm-hmm. on aurait perdu des oiseaux qui n'existent seulement qu'ici. Ouais. Donc du coup, voilà, les vieux, ils ont déjà mis ça, les endroits tabous, ça c'est des réserves. D'accord. Donc créons des réserves naturelles pour la mer aussi, pour qu'il y ait toujours du poisson. Mm-hmm. Répertorier les nurseries naturelles, ouais. pour les mettre en réserve intégrale. Comme ça, ceux-là, on ne fait pas la pêche, on ne touche pas, ça va toujours déborder, ça va toujours aller à côté, et nous, on aura toujours du poisson. D'accord. Même si on se multiplie, mais on aura toujours du poisson, parce que les réserves, il sera vraiment protégé. Quoi. D'accord, ok. Super, donc là, à présent, maintenant, tu t'emmènes à emmener quelques visiteurs en randonnée. Là, directement en randonnée, là, on part avec la mer, là, bien calme, le temps bien... Super, il fait beau, ouais. Voilà, tout à fait. Ok, bah, on va te laisser partir, puis on va voir un peu comment ça se passe, le départ. Oui, voilà, c'est avec la bande. Voilà. Ok, super, allez, viens, on y va. Ok. Merci, Jules. Salut, Lucie. Salut. Bienvenue dans l'émission, merci de répondre à nos questions. Avec plaisir. Ok, donc on t'a vu, tu es donc venue ici à Lifou Nature avec une bande d'amis pour tes vacances à Lifou. C'est ça. Est-ce que tu peux nous dire un peu pourquoi avoir fait ce choix de ce gîte? Qu'est-ce qui t'a paru attrayant au moment de venir loger ici? Alors, en tout premier, je dirais vraiment la vue, les photos qu'on avait vues sur leur site, enfin sur Airbnb plus précisément. On a pris contact en direct ensuite avec les filles qui ont été adorables tout de suite par message. Et on s'est dit, super rapport qualité-prix, ouais. L'authenticité était là au ouais. niveau des photos. La vue dès le matin est magnifique. C'est beau, hein. Ouais. La paillotte, pareil, donc allez c'est go. Beau. C'est authentique, c'est beau. Et on t'a vu ouais. pratiquer toutes sortes d'activités aussi, puisque de toute façon ce gîte propose énormément de choses pour découvrir le patrimoine de l'île, naturel, culturel. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que tu as fait jusqu'à présent? On est très curieuses. Dans la bande, et c'est ouais. vrai qu'on a parlé des noix de coco, et là, elles se sont lancées dans une découverte géniale qui nous a pris plusieurs heures, où quels sont les différents types de coco, comment casser un coco, de A à Z, jusqu'à râper le coco pour super. En faire une salade qu'on a mangée d'ailleurs hier soir. Super, ouais. Salade coco papaye. Ok. Excellent. Et ensuite, elles parlent dès qu'on a une question, on peut vraiment leur poser. Elles sont là pour... il et elle, mais surtout les filles à qui on a beaucoup à faire sont là pour vraiment répondre à toutes nos interrogations. C'est juste exceptionnel. Ouais. Ouais, et puis c'est un aspect assez particulier et intéressant de ce gîte, c'est que c'est un gîte qui se dit écotouristique. Est-ce que pour toi, cette notion d'écotourisme, elle est importante au moment de choisir tes prochaines destinations de vacances et où tu vas résider. Le fait qu'il y ait ce partage, cette sensibilisation à la nature environnante et aux populations locales, est-ce que pour toi c'est important? C'est ce qui apporte l'authenticité, comme je le disais auparavant, vraiment dans les échanges, dans ce dans quoi on dort, vraiment le minimum, revenir au minimum en fait. D'accord. Et à l'important, à l'essentiel. Et okay. c'est top d'être en pleine nature avec des personnes qui n'ont pas besoin de grand chose en fait pour être heureuses et pour vivre. Mm. C'est vraiment, en tout cas moi, ce qui me touche énormément dans cette démarche. Et on cherche ça énormément, okay. d'autant plus. Voilà, vous avez bien trouvé. En immersion, ouais. on est servi, c'est vraiment... C'est génial, on en prend plein les yeux et c'est pas fini. C'est pas fini, ouais. Ce matin, c'est rando, du coup. Ce matin, c'est rando, ouais. D'accord. Ouais, ouais, rando, jardin botanique et PMT. Et bah super. Voilà. Bon, on va vous laisser découvrir tout ça, alors. Super. Merci, Lucie. Merci à toi. Allez. Belle journée. Merci. Salut Marie. Bonjour. Tu vas bien? Oui. Bon. Merci de nous accueillir. On a laissé Jules là-haut avec les clients. Il nous a raconté un peu du coup comment ça se passait aussi ici au gîte. Mm-hmm. Il est parti faire la rando avec d'autres personnes. Et donc c'est toi qui vas nous parler un peu du bilan de l'activité professionnelle de ce gîte puisque tu t'en occupes avec lui. Mm-hmm. Oui, c'est ça. Comment t'en es arrivé toi à t'occuper justement de ce gîte? Qu'est-ce que c'est un peu ton parcours, quoi? J'ai ma belle-mère qui s'est occupée de ça fait 20 ans, depuis 2003. D'accord. Et
là, comme elle veut faire une passation, elle, ça, voilà. Donc moi, je prends la relève ensuite. Une affaire de famille et qui marche bien en plus. Voilà, c'est super, ça. C'est chouette. Et alors, est-ce que tu as connu des moments difficiles ou est-ce que tu as trouvé qu'il y avait des moments qui étaient plus compliqués que d'autres? Est-ce que tu as encore des choses que tu aimerais mettre en place à l'avenir pour continuer de développer l'activité? Comme c'est très récent, ouais. Pour l'instant, j'ai pas eu encore de... Tout se passe bien. D'accord. Et puis, ben, ça va. Y a pas trop de... Pour l'instant, il n'y a pas trop de galères. Pour l'instant, ça va. Ok, d'accord. Et quand, par rapport aux choses que tu imagines peut-être pour l'avenir du gîte, puisque c'est toi qui vas t'en occuper, oui. Est-ce que tu as des idées particulières ou... Pour l'instant, ça va, tout se passe bien. Donc, j'ai pas encore de... Pour l'instant, il n'y a pas de nouveaux projets par derrière. Là, c'est vraiment bien, je trouve déjà ce qu'ils ont fait. Mm-hmm. Je trouve que c'est déjà très, très bien parce qu'il y a l'authenticité de l'IFU qui est bien... Comment ? Bien partagée. Ouais. C'est vraiment un échange culturel avec d'autres personnes et tout. Mm-hmm. Et il y a aussi la sensibilisation sur la réserve naturelle qui est très importante, ce qu'ils veulent vraiment garder à la tribu. C'est important pour toi aussi. Oui, pour moi c'est très important pour, mm-hmm. par exemple, mes enfants plus tard, mes petits-enfants et qui viennent, nos futurs petits-enfants oui. par la suite. Donc je trouve que c'est important qu'on ait cette réserve naturelle pour eux. D'accord, okay. Plus tard. Et tu penses que toi, tes enfants, tes petits-enfants, ils vont s'occuper du gîte un jour? Je pense que oui. Je pense que ça va progresser, mais déjà rien que comme ça, on reste simple. C'est déjà ce qui fait l'authenticité de l'IFU Nature. C'est vraiment la simplicité. Mmh. Et puis toujours dans l'esprit écologique et tout ouais. sur l'IFU. Justement, alors je crois savoir qu'il y a aussi un peu peut-être d'autres gîtes écotouristiques sur l'IFU, alors peut-être d'autres qui vont se monter. Qu'est-ce que tu dirais à d'autres habitants de l'île ou plus généralement à d'autres personnes qui souhaiteraient eux aussi se lancer dans cette aventure-là, essayer de valoriser le patrimoine naturel et culturel de l'île? Qu'est-ce que tu leur conseillerais? Alors, c'est vrai que c'est difficile au départ, mm-hmm. Mais il faut se lancer, il ne faut pas avoir peur, il faut y aller. Il y a beaucoup de choses que je pourrais leur dire, mais déjà, ouais. qu'ils se lancent. Ouais. Et puis ils verront que c'est quelque chose d'important quand même. C'est vraiment très important pour ouais. nous et pour leur génération future et tout. D'accord. Donc il faut qu'ils se lancent, il ne faut pas qu'ils aient peur, ça va aller okay. au fil du lot. Super, super. Puis j'imagine que c'est important, quand tu disais que c'était important, c'est important aussi pour les gens qui viennent visiter l'IFU, ouais. mais aussi pour les gens de l'IFU, oui, de mettre ça. En place ce genre de... Parce que c'est leur île ensuite qu'ils vont protéger. C'est pour nous préserver, nous, surtout aussi, c'est ça. Il faut vraiment qu'ils prennent conscience que ça va, avec l'évolution, ça va très, très vite. Et puis, ben, nous, on délaisse un petit peu notre culture et c'est pas évident à ensuite revenir à l'intérieur. Ouais, d'accord. Voilà, c'est pas évident. Ok. Ben, en tout cas, moi, je te félicite, Marie, pour faire partir de ça et pour contribuer à tout ça. Je te remercie vraiment d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Il n'y a pas de souci. Et puis je te dis à bientôt, on reviendra te voir. Bah oui, profiter du gîte. Il faudrait que vous reveniez. Voilà. Bon, ben merci beaucoup et puis je te souhaite une bonne journée. Non, mais je fais la bise. Allez. La bise. Ok, bah, je te dis à la prochaine. À une prochaine, Marie. Tata. Allez, au revoir. Un voyage dans les espaces naturels a coupé le souffle de l'IFU. Un voyage qui sensibilise à la sauvegarde de l'écosystème de l'île et qui implique directement ses populations, ses habitants, le gîte d'accueil de visiteurs de Jules coche bien toutes les cases de l'activité écotouristique qui fait sens en Calédonie, qui fait sens et qui s'inscrit bien dans la volonté de l'Organisation mondiale du tourisme de développer cette branche en priorité face à l'urgence climatique. Le secteur de l'écotourisme connaît d'ailleurs une croissance comprise entre 20 et 30% depuis plusieurs décennies. On espère donc voir de nombreuses autres activités de ce genre sur le Caillou et on vous invite fortement à opter pour ce choix lors de vos prochaines vacances. Et patati patata, je parle beaucoup, mais il est bientôt temps de se dire tata, et à bientôt dans Patati Patanté.